كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم بونجور bienvenue à la conférence organisée par l'UGM en partenariat avec l'UFCM intitulé « Revenir à Dieu dans la société de l'oubli, le sens de notre vie, comment résister, le modèle prophétique de la consommation ». Je remercie tout d'abord le frère qui est à côté de moi, Abdelhamid, pour la récitation du Coran. Je vais par la suite passer la parole à Hafez, représentant de l'UFCM, qui va faire une présentation succincte de l'UFCM, puis de Farid, dans le cadre de l'UJM, et le frère dans le cadre du CBSP.
Ensuite, à l'issue de ces, trois interventions, nous allons avoir l'intervention de Mourad Hamza, professeur et conférencier, qui va intervenir sur les clés du rappel à Dieu à travers la révélation. Puis on aura un petit temps de pause pour vous permettre justement de vous rendre dans les différents stands, notamment le stand Chatibi, également la ferme au quartier, un stand de livres organisé par l'UFCM, le stand accueil également de l'UFCM, l'association Jolie Nimi, et enfin le projet de l'îlot des Combes. Puis on aura une reprise avec l'intervention de Cheikh Zakaria Siddiq, fondateur de l'Institut musulman d'enseignement à distance. Son intervention portera sur le jeûne, une résistance au matérialisme et à l'oubli. À l'issue de ces deux interventions, Inch'Allah, nous aurons un temps d'échange sous la forme de questions écrites à la fois écrite et orale. Donc vous allez avoir quelques petites feuilles qui vont circuler dans la salle avec des stylos. Vous pouvez déjà formuler dès à présent des questions éventuellement. Et enfin, nous aurons une conclusion qui sera présentée par Yamin Makri. Nous avons également le plaisir d'accueillir nos frères et sœurs malentendants auxquels les places à gauche près du mur leur sont réservées. Et nous avons en bas un interprète qui est présent. Comment on dit bonjour? Voilà. Donc, il faut bien accueillir nos frères et sœurs malentendants. Je vous demanderai également de mettre vos téléphones sur vibreur. Inch'Allah. Donc, je vais passer la parole à Hafez, qui va présenter de manière succincte l'UFCM. Oui, donc, salam alaikum. On m'a désigné donc pour présenter un petit peu l'UFCM, l'Union française des consommateurs musulmans. Donc l'UFCM, c'est l'association qui, grâce à Dieu, existe depuis maintenant 2 ans et qui est venue de la volonté de musulmanes et de musulmans suite à plusieurs constats. Alors déjà, pourquoi la consommation? Eh bien, la consommer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, donc que ce soit pour se vêtir, pour s'alimenter. Et comme on dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc c'est un petit peu ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Et à partir de là, eh bien, on s'est rendu compte que les musulmans, surtout depuis ces dernières années, ils font l'objet d'une attention particulière. On le voit encore plus pendant le ramadan de la part des publicitaires, des grandes surfaces, tous ces acteurs de la société de consommation qui nous sollicitent de plus en plus. Et comme on le sait, ces publicitaires, ces grandes surfaces, eh bien, elles ont une éthique qui va à contre-courant de l'éthique que le musulman doit avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, eh bien, on nous pousse à avoir toujours plus, on met en avant le gaspillage, l'égoïsme, toutes ces valeurs-là qui sont étrangères à l'islam, et d'ailleurs à toutes les grandes religions. Donc il y a également des slogans qui vantent un petit peu ces sortes de faux dieux dans lesquels on nous demande de se rabaisser en quelque sorte, hein, du genre la force et la comment dire, la... Voilà, comme je vous disais, consommer toujours plus. Alors, en gros, on laisse libre cours à notre nefs, à notre ego. À partir de là, on assiste également à une marchandisation de notre culte. Donc, au niveau du pèlerinage, on a des agences qui demandent à payer en liquide et qui après disparaissent du jour au lendemain. On a des arnaques par rapport à la viande halal. Combien de fois des produits soi-disant étiquetés halal contenaient en réalité du porc, par exemple, si ce n'est également l'électronarcose. On a également de l'eau soi-disant zamzam, qui en réalité n'est pas du tout de l'eau qui vient de zamzam, voire même de l'eau qui n'est pas potable. Et en ce moment aussi, on a beaucoup d'arnaques à la ruqya. Des gens reçoivent des coups de fil. Je pense que si vous posez la question dans votre entourage, vous allez être assez surpris, parce que ça arrive de plus en plus. Vous recevez un coup de fil chez vous, on vous dit on va vous lire du Coran gratuitement, un cheikh va vous lire du Coran, composez tel numéro, et en réalité c'est des numéros surtaxés. Et là on se retrouve avec des gens qui ont des factures téléphoniques de 300 euros, de 1000 euros. Voilà, donc c'est vraiment... ça part vraiment dans tous les sens à ce niveau-là. Donc vous avez compris, hein, il y a un mode de vie qu'on nous impose aujourd'hui. Aller toujours plus vite, consommer toujours plus. Et on nous fait croire que tout ça serait le bonheur en réalité.
donc tout ce que je viens de vous dire, ça détruit en réalité l'être humain, hein, ça va au-delà des musulmans, et on détruit également la relation qu'on a envers les autres et la relation qu'on a envers Dieu. Donc l'être humain est devenu comme un individu isolé qui veut gérer ce monde en dehors de la référence qui est Dieu. Alors exactement à l'UFCM, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien c'est faire en sorte que les musulmans se responsabilisent pour recréer du lien avec toutes les bonnes volontés qui veulent résister face à ce système de consommation à outrance. Et bien sûr résister, comme je vous disais, pas seulement entre musulmans, mais également avec toutes les bonnes volontés, qu'ils soient musulmans ou non. En tant que musulmans, eh bien, l'un de nos premiers chantiers, c'est également de revenir au sens des rites. Pourquoi manger halal ? Pourquoi le pèlerinage ? Le sens de la zakat ? Toutes ces composantes de notre culte qui, malheureusement, sont devenues simplement des façades. Alors, à l'UFCM, on s'est fixé plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'est bien sûr de dénoncer un modèle de consommation. Donc, faire prendre conscience à nos frères, à nos sœurs, que le système dans lequel on vit, eh bien, il cherche plutôt à nous détourner de la réalité. C'est également se sensibiliser sur notre environnement, notre santé, nos valeurs éthiques et spirituelles. On veut également proposer un modèle de consommation alternatif. Donc, je vais y revenir plus tard par rapport au stand qui se trouve. Et enfin, c'est défendre les intérêts des consommateurs en général et du musulman en particulier, donc avec une section juridique. Alors, comment s'y prendre à l'UFCM ? Eh bien, déjà, on est une association nationale. On a plusieurs antennes. On a des antennes à Strasbourg, à Marseille, ici à Lyon, et puis d'autres qui commencent à émerger dans d'autres villes. Donc, suite à cette prise de conscience, eh bien, on essaie de montrer qu'une alternative est nécessaire et possible. Alors, on le fait à travers quoi ? Eh bien, à travers des campagnes de communication. Vous voyez depuis tout à l'heure défiler derrière moi des affiches, des tracts qu'on a mis en place concernant donc le mois du Ramadan, sur revenir sur le sens vraiment du mois du Ramadan, qui malheureusement est devenu plutôt un mois dans lequel les statistiques le montrent, où les musulmans consomment plus que d'habitude, ce qui n'est pas normal. Où c'est un mois où on constate qu'il y a beaucoup de gaspillage. Je ne sais pas si vous avez vu des statistiques dans certains pays musulmans où le gaspillage, c'était dans les pays du Golfe, est catastrophique. Et je pense que nous, ici, en France, on n'échappe pas à la règle. Et c'est également des campagnes de sensibilisation sur la consommation de la viande, sur l'électronarcose, qui est devenue quasiment majoritaire dans la viande étiquetée halal. C'est l'appel au boycott de produits provenant de la Palestine occupée. Donc, vous savez, on en parle beaucoup en ce moment. Je pense que les frères du CDSP nous diront des choses tout à l'heure. Et donc, on a des tracts aussi sur des petits dépliants, sur le gaspillage, sur consommer des fruits et légumes de saison qui ont un impact sur notre santé. Ça, il faut le savoir, quand on consomme des fruits et légumes qui ne sont pas de saison, ça peut avoir des impacts sur votre santé, et ça a un impact également sur l'environnement, puisque c'est des produits qu'on fait forcément venir de loin. On met en place également des formations à l'UFCM. Donc sur le pèlerinage, par exemple, on a des formations sur le volet spirituel et aussi le volet pratique au niveau sanitaire. Cette année, on a organisé aussi trois formations sur les 3 C, c'est-à-dire le cœur, le Coran et la création. Donc vous voyez, on parle de la consommation, mais on revient vraiment à l'essentiel, à notre spiritualité, sur ces liens entre le cœur, le Coran et la création. Ce sont donc trois éléments qui interagissent, et c'était un petit peu un constat également sur comprendre nos sources islamiques en rapport avec le monde, comprendre le monde qui nous entoure. Donc bien sûr, sans prétendre avoir réponse à tout. Hein. Nous avons également, pour les membres, des rencontres spirituelles hebdomadaires, des sorties conviviales comme des randonnées pour renouer toujours avec la création. Et donc aussi à l'UFCM, on encourage, voilà, on initie des projets alternatifs. Donc là, vous allez voir un stand sur un projet de ferme centre de formation agroécologique au Creusot, donc l'îlot des Combes. Vous allez voir au moment de la pause.
si ce n'est pas déjà fait. Et puis également, on est en contact avec des frères de Saint-Étienne qui ont une association qui s'appelle De la Ferme au Quartier, qui mettent à disposition des produits bio, du miel, vous allez le voir. Et également, ils ont une filière de volailles halal, de volailles bio élevées par un éleveur. Donc, alors au niveau de Lyon-Rhône-Alpes, alors on a une section Alhamdoulilah qui s'élargit de plus en plus. Et d'ailleurs, on vous encourage à venir voir notre stand, à venir nous laisser vos coordonnées, pourquoi pas devenir membre actif. Donc on a de plus en plus de membres et on est en ce moment à la recherche d'un local, Inch'Allah, qui sera ouvert très prochainement. Et d'ailleurs, on vous tiendra au courant dès cette ouverture. Alors bien sûr, tout ça demande pas mal de moyens financiers. Hein. On se repose essentiellement sur les cotisations et sur les dons. Donc on fait appel à votre générosité, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Ça serait plutôt, toujours pour ce local, on a vraiment un énorme projet derrière. C'est mettre en place une section pour faire un petit peu comme la ferme au quartier, mettre en place à disposition des aliments bio à des prix très raisonnables. C'est faire un centre de formation surtout, donc toujours pour sensibiliser, pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, pour comprendre nos sources, ce qu'elles disent vraiment sur le lien qu'on peut faire avec la vie dans le système dans lequel on est. Et pour apprendre à résister, bien sûr. Et enfin, pour avoir davantage de visibilité, parce que je pense que beaucoup de monde ne connaissent pas l'UFCM encore. Donc ça sera vraiment un grand pas en avant. Voilà. Je vous encourage à venir voir notre son tout à l'heure. Et bien sûr, tout cela, ça repose sur Dieu, bien sûr, parce que c'est à Dieu qu'appartient le résultat. Nous, on est là simplement pour faire ce qu'on peut, pour mettre en place tous ces éléments. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre l'UFCM. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc on sera à notre stand juste à côté. Voilà, je vais laisser la parole à Farid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tous. Je vais être plus bref. Donc moi, je vais présenter l'Union des jeunes musulmans, donc qui organise la conférence en partenariat avec nos frères de l'UFCM. Je vais plus parler des activités qui sont en cours. Donc on a un centre de formation, donc là on gère le centre Tawhid, qui se situe 8 rue Notre-Dame, je pense que beaucoup de Lyonnais le connaissent maintenant. Donc on a un centre de formation qui s'appelle Chertibi, qui dispense des cours de langue arabe, de sciences islamiques et de Coran, de Tajwid. Donc tout ça pour vous dire que les inscriptions sont ouvertes, donc les frères et sœurs qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il y a un stand également dans le hall pour ceux qui sont intéressés. Là, durant le mois du Ramadan, on fait, pour ceux et celles qui sont intéressés, des cours d'arabe et des cours de tajwid qui sont gratuits. Simplement, il faut appeler au préalable au centre. Donc les cours d'arabe, c'est du lundi au samedi de 19h à 20h30. Et les cours de tajwid, nous sommes de 18h30 à 20h. Et c'est du mardi au samedi. Donc les frères et sœurs qui veulent se perfectionner dans ces deux domaines, Inch'Allah, ils sont les bienvenus. Autre chose très importante, ce qui est le plus important, c'est que chaque année, on organise la fête du Eid. À Lyon 8e sur la place du marché depuis 3 ans maintenant. Et donc c'est une fête, alhamdoulilah, où il y a plusieurs centaines de personnes qui y assistent, et donc on a voir plusieurs milliers même. Et donc on a besoin, comme chaque année, de bénévoles. C'est-à-dire de frères et sœurs qui sont prêts à nous aider, soit la journée, soit une partie de la journée. On a besoin pour accueillir le public, pour la billetterie, et surtout pour tenir les stands, donc pour recevoir les enfants. Donc on estime, chaque année, on a besoin de 100 à 150 bénévoles. Donc s'il y a parmi vous des frères et des sœurs qui sont prêts à s'investir et à nous aider, de votre aide dépend en fait la bonne tenue de la fête. Donc ils peuvent venir nous voir, Inch'Allah, également près du stand, s'inscrire pour laisser leur numéro, leur mail, pour qu'on puisse vous contacter. Et il y aura certainement une réunion avant la fête pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc chaque année on fait l'appel, on espère, il y a souvent plus de monde qui s'inscrit que de monde qui vient, mais c'est très important. C'est très important parce que comme je vous dis, il faut recevoir les gens, tenir les stands, et donc on a besoin de vous. Et la dernière chose, c'est que donc on a fait 4 conférences durant ce mois de Ramadan. Je pense que les frères vont y revenir à la fin. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura la 4e et la dernière conférence du mois du Ramadan qui va se trouver à Vénissieux, à la mosquée Oum Sultan.
Et donc c'est là où on a fait les deux premières conférences, celle-ci c'est la troisième, le thème ce sera l'examen de conscience avec notre frère Fatahallah qui est lui aussi membre de l'UFCM. Voilà, Barakallahu fikoum, assalamu alaykoum. Je crois que je vais laisser la parole au CPSP. Alors, bien sûr, chers amis, chères sœurs, chers frères, je vous salue avec les salutations de Devine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Devant la situation en Palestine actuelle, devant ces bombardements successifs sur la bande de Gaza, c'est un bande 40 km de longueur et de largeur, le maximum c'est 13 à 20 km. De 13 à 20 km de largeur. Ça veut dire un petit territoire, d'accord ? maximum 360 km². Mais dans lequel, dans ce territoire, vit 1 700 000 Palestiniens. 1 700 000 Roch vit dans cette bande de Gaza que je considère une prison. Une prison, mais à ciel ouvert. Les Palestiniens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent se soigner, il faut qu'ils traversent la frontière vers l'Égypte, ou vers ce qu'on appelle Israël, de nord. Et dans tous les cas, ces passages sont contrôlés par l'autrui. Et l'autrui ne veut pas permettre à ces Gazaouis de respirer, d'avoir la liberté, de vivre la paix. Leurs enfants ne trouvent pas même pas un terrain de jeu. J'ai visité, et je suis un des fondateurs, alhamdoulilah, je suis très fier de cette association CBSP, Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens, qui va fêter, inshallah, bientôt son 25e anniversaire. Cette association qui a participé à toutes les actions humanitaires presque Gaza et en Cisjordanie, mais même aussi dans le diaspora palestinien, dans les camps de réfugiés, au Liban, en Jordanie, partout, il a laissé ses traces. Ces projets humanitaires, comme l'hôpital El Wafa, actuellement dans le nord de la bande de Gaza, qui était menacé par les autorités israéliennes, par l'armée israélienne, et qui accueille des handicapés, des gens qui ont vraiment des difficultés et qui peuvent être soignés dans ce centre. Israël ne vise que les civils en Cisjordanie et à Gaza. Les maisons qui étaient détruites, elles étaient toutes presque appartiennent aux civils qui n'avaient rien avec ni la résistance, ni les militaires, ni la politique. Aujourd'hui, on décompte presque, on compte plus de 170 shahid martyrs, avec plus de 1200 blessés, avec un territoire rasé, détruit, et c'est à l'image des événements déroulés en 2008-2009. Et j'étais aussi un des composants d'une commission d'enquête qui était allée sur place pendant cette période pour enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les autorités israéliennes à Gaza. Israël n'arrête pas ces crimes. Et le premier crime qu'on peut dénoncer, et on dénonce tout le temps, c'est le crime de l'occupation, parce que le peuple palestinien a besoin de déclarer sa liberté
et son indépendance. La situation est dramatique, mais dramatique depuis très longtemps, ce n'est pas depuis aujourd'hui. Depuis 1917, les Palestiniens n'ont pas de répit, n'ont pas de repos, n'ont pas de moment d'apaisement. Depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui, le peuple palestinien combat pour sa liberté, pour sa dignité, pour vivre comme tout le monde. Et il n'arrêtera jamais son combat de la libération et son combat de la dignité. Sachez que le peuple palestinien est décidé et ferme dans son chemin de la libération. Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, que j'ai l'honneur de le représenter devant vous aujourd'hui, cette association qui travaille et qui œuvre seulement dans l'action humanitaire et qui fait beaucoup d'actions, heureusement, ici en France, l'association, je la considère et je l'ai dit et je le répète tout le temps, que l'association CBSP, c'est le pont de solidarité populaire entre la France et la Palestine. Tout le temps, notre association assure tout le temps cette mission humanitaire et cette mission aussi digne de nos concitoyens de la France. Association CBSP actuellement parraine plus de 11 000 dossiers entre orphelins, enfants, familles, handicapés, tout genre, étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, peut-être il y a beaucoup d'étudiants d'entre vous, mais aussi il y a beaucoup d'étudiants en Palestine. Sachez qu'il y a 2 000 étudiants actuellement à Gaza qui ne peuvent pas, dans une seule université, l'université islamique de Gaza, qui ne peuvent pas, les pauvres, faute de moyens et faute de cette liberté, ne peuvent pas payer les frais de scolarité. C'est pour cela qu'on a ouvert la section aussi dans l'association le parrainage des étudiants. Et l'association CBSP parraine des hôpitaux, de projets médicaux à travers la Palestine tout entière, en Cisjordanie et à Gaza, les hôpitaux dans le nord de Palestine, de Gaza, comme je vous ai dit, Al-Wafa, l'hôpital Shifa, l'hôpital européen, l'hôpital, plein des hôpitaux aussi à travers de Gaza et qui n'ont pas la possibilité actuellement d'accueillir les blessés parce que tout le matériel que les hôpitaux ont besoin et sont épuisés actuellement et on a besoin de les fournir de nouveau. Et c'est pour cela qu'il y a un comité aussi, il y a une équipe de médecins et des acteurs médicaux qui sont dépêchés en Égypte afin de demander aux autorités égyptiennes la permission de rentrer à Gaza. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de convoi, on doit aussi demander la permission, l'autorisation des autorités égyptiennes. C'est énorme et c'est honteux. Parce que pendant les périodes de la guerre, on doit, les autorités voisines d'une région de conflit, elles doivent donner l'autorisation aux équipements médicaux, surtout les équipements médicaux et les équipements d'urgence, elles doivent donner l'autorisation pour rentrer et pour secourir les gens en difficulté. Et c'est pour cela, moi je suis aussi un avocat, je milite aussi dans la section juridique, avec, vous connaissez peut-être ici, Maître Gilles Devers, et Liliane Glock, une avocate remarquable aussi qui combat, et qui, c'est une femme vraiment avec le cœur et l'âme avec la Palestine, et on milite avec aussi des autres juristes et avocats européens qui ne sont pas aussi musulmans et non musulmans, bien sûr, et qui militent pour le combat de la justice en Palestine. On est derrière les criminels jusqu'à, Inch'Allah, les traduire devant la justice nationale et internationale. CBSP, c'est votre chance, notre chance actuellement ici en France,
malgré toutes les difficultés, les banques, et surtout les banques, sont en train de créer des difficultés à l'association, à toute action en faveur des pauvres palestiniens. D'ailleurs, ils sont criés. Mais voilà, on sait qu'on sait, le CBSP continue son combat. Et alhamdulillah, il a pu envoyer des millions et des millions actuellement entre l'année dernière et cette année. CBSP, budget de 10 millions, entre 9 et 10 millions d'euros par an en faveur du peuple palestinien, en faveur des Palestiniens. Et sachez que le CBSP, dans sa dernière réunion de bureau exécutif, a décidé de réserver 1 million d'euros pour les actions en faveur de Gaza, pour la reconstruction, pour les équipements médicaux. Alors, soyez avec nous dans ce combat. Chacun d'entre nous, il a une partie de la responsabilité. Vous pouvez être le porte-parole du peuple palestinien, parce que les médias, vous regardez, les médias, ils ne donnent pas la vérité. Les médias couvrent l'ennemi, en quelque sorte, l'agresseur, essayent de donner raison à l'agresseur. L'agressé, et il a ses moyens, il essaie de parler à travers vos langues. Votre langue, vos langues sont la langue des agressés et des hommes en Palestine, les hommes de Palestine et les femmes de Palestine. Alors, n'épargnez pas vos efforts en faveur des peuples palestiniens. Soyez avec eux, parole, action. Dont parrainage, l'association CBSP, vous avez une section ici à Lyon, à côté de votre local à Tawhid, qui existe depuis 10 années et peut vous accueillir. Vous pouvez aussi faire partie de notre combat prochain, Inch'Allah, vers Gaza, parce que vous allez voir la réalité avec vos propres yeux, en quelque sorte, et puis vous allez être les témoins d'un espoir prochain pour les Palestiniens, parce que je vois dans vos yeux, Inch'Allah, l'espoir, et je vois aussi qu'un jour, on priera tous ensemble dans les esplanades de la mosquée Al-Aqsa. Je vous remercie, et je remercie aussi les organisateurs de cette rencontre, de m'avoir permis de vous parler, et que Dieu, Inch'Allah, agrée vos actions et facilite votre mission. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Donc on a le plaisir d'accueillir Mourad Hamza, professeur et conférencier, qui va intervenir sur la première partie de notre conférence intitulée « Revenir à Dieu dans la société de l'oubli, le sens de notre vie, comment résister ?» Le modèle prophétique de la consommation. Son intervention portera sur les clés du rappel de Dieu à travers la révélation. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, je ne pouvais pas ne pas réagir à ce que disait le frère tout à l'heure. Je voulais juste, avant d'aborder le sujet dans lequel on m'a demandé d'intervenir, je voulais juste apporter deux remarques par rapport au frère qui a intervenu à l'instant. Un jour, on a assisté à une conférence d'un professeur qui venait de Bir Zeit et qui nous disait, je ne sais pas, il y a beaucoup de jeunes ici, alors si vous êtes férus d'histoire, qui nous disait en 67, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé en 67, l'État hébreu a attaqué l'Égypte. Attaqué l'Égypte et a détruit toute l'aviation égyptienne qui était au sol. Hein. Et ils ont pris le Sinaï. Ils ont pris Gaza, qui a aujourd'hui, qui était sous l'égide de l'Égypte. Ils ont pris Gaza.
Et par l'occasion, il y a un grand savant musulman qui est né à Gaza. Est-ce que vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est, non? Shafi'i. Shafi'i, l'imam Shafi'i, oulida fi Gaza. Il est né à Gaza, il a grandi à Gaza, ensuite il est allé à la Mecque. Et il a passé une partie de son enfance à la Mecque, l'Irak et l'Égypte. Bon, c'est juste pour la vidéo. Donc en 67, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris le Sinaï, ils ont pris le canal de Suez, ils ont pris Gaza, ils ont pris la Cisjordanie, Al-Farabiyya, c'est-à-dire le Masjid Al-Aqsa, la mosquée sacrée. Le professeur de Bézet, il nous dit à Jenin, alors Jenin c'était 2006 je crois, hein, c'est ça? Jenin, quand ils ont attaqué le Mukhayyam Jenin, un camp, 2002? Ouais, 2002. Ils ont attaqué un camp, parce qu'ils disaient qu'il y avait des résistants à l'intérieur, il fallait les déloger, un camp. Ils ont mis 15 jours, 15 jours, ils ne sont pas arrivés au bout du camp. Ils n'ont pas réussi. D'après vous, pourquoi? Et c'est le professeur qui nous posait la question, il dit, d'après vous, pourquoi? Pourquoi en 67, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, en 6 jours, ils ont pris un territoire, le Sinaï, c'est immense, je ne sais pas combien ça représente, mais je crois que c'est 500 000 ou 700 000 km², plus le Suez, le canal de Suez, plus la bande de Gaza, plus la Cisjordanie. Qu'est-ce qui a changé en 6 jours là, et en 15 jours, ils n'arrivent pas à rentrer dans un camp? D'après vous, qu'est-ce qui a changé? Je vous pose la question, sérieusement. Vous savez qu'est-ce qui a changé? C'est l'homme qui a changé. L'insan tayyib. L'homme a changé. Les hommes qui étaient dans le camp de Jenin, leur source était le Coran. Les hommes de 67, ils dansaient sous la musique de Mokeltoum. Là, elle est la différence. La différence, elle est là. Et c'est réel. Je vais vous raconter une autre anecdote. Après, on va entrer dans le sujet. J'ai assisté un jour à une conférence de Cheikh Mohamed Rassel, rahimahullah, qui est un des maîtres de notre Cheikh Zakaria Siddiqui. Cheikh Mohamed Rassel, il nous racontait qu'en 67, justement, quand l'État hébreu a pris la Cisjordanie, ils ont pris la Cisjordanie, Yamouchi Dayan, qui était le chef des armées à l'époque, ils ont pris la Cisjordanie, il a dit à son état-major, il a dit, ce soir, on va manger dans cette maison. Et dans cette maison, il y avait bien sûr des Palestiniens. Et il y avait un jeune Palestinien qui disait à son père, jamais on accueillera ces bouchers, on les accueillera chez nous. Non, moi je ne mangeais pas avec eux. Cheikh Razel, il m'a raconté, il dit, le père étant plus sage, il a dit à son fils, si on ne le fait pas, ils vont détruire la maison. Donc on va le faire manger, et puis il a dit, moi je ne mangerai pas avec eux. Moi je partirai, je ne mangerai pas avec eux. Et finalement, il leur a fait à manger, ils ont mangé, ils ont dîné, ils ont bien mangé, et le jeune, il est revenu après le dîner. Et il s'adresse à Moshe Dayan et lui dit, ne pensez pas que c'est une victoire finale de ce que vous avez atteint là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons un récit prophétique qui nous dit qu'il y aura un jour une guerre entre nous et vous, et que vous cacherez derrière une pierre ou derrière un rocher, et que le rocher parlera. Et là, on vous combattra, on vous chassera d'ici. Et vous savez ce qu'il lui dit, Moshe Dayan? Cheikh Razel, il nous dit, il tire deux tafs sur sa pipe, il lui dit, si ce que tu dis est vrai, ce ne sont pas les gens comme vous qui vont nous combattre. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et c'est le but de notre intervention aujourd'hui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Si vous lisez le Coran, vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là on nous parle de l'envahissement terrestre, ils vont envahir la bande de Gaza terrestre. D'une manière, enfin, ils vont attaquer, ils ne vont pas le faire. Et je vous le dis aujourd'hui, vous allez voir s'ils le font. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que le Coran il nous dit, « La yuqatilunakum illa min wara'i fi qura muhassaratin aw min wara'i judur. Ba'suhum baynahum shadid. » Ils ne vous combattront que derrière des fortifications. Ou bien, soit ils sont dans des fortifications, ou bien de loin. Jeter des bombes sur des innocents, ça ils savent le faire. Mais avoir quelqu'un en face, ça ils ont très peur. Pourquoi ils ont très peur? Parce que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dit « وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ » Ils sont très avides de vivre, hayat, nakira. Ils sont très avides de vivre. Ils voudraient vivre 1000 ans. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Le problème, c'est que nous, on ne lit pas le Coran.
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله سبحانه وتعالى يقول quand le prophète il a fait l'expédition de Khaybar parce qu'ils l'ont trahi, ils pensaient qu'ils étaient à l'abri. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une forteresse et cette forteresse était autosuffisante. Ils pensaient qu'ils étaient à l'abri. Et même les compagnons du prophète ne pensaient pas qu'ils viendraient à bout de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une forteresse, mais alors vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah est revenu par là où ils ne s'attendaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Ils ont détruit leur propre maison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ba'suhum baynahum shadid tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu crois qu'ils sont unis, mais ils sont divisés. Le problème c'est que nous on ne sait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas le Coran. Parce qu'on ne lit pas le Coran. Il y a une ayah dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, la ayah 104, une sourate al-Baqarah. Sourate al-Baqarah. On va revenir tout à l'heure, inshallah, sur. سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يدي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. C'est une aya quand on fait التراويح quand on lit سورة البقرة quand on lit le Coran on passe comme ça. Ok, il dit ah oh vous qui croyez ne dites pas راعنا mais dites انظرنا regardez-nous. Ok, واسمعوا écoutez وللكافرين عذاب أليم. Les mécréants ils ont un châtiment douloureux. C'est ce que dit Allah سبحانه وتعالى. Cette aya c'est l'aya 104. Si vous lisez les circonstances, révélations de cette ayah, elle est descendue sur le prophète. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement des juifs qui habitaient à Médine et qui allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui disait « Mohammed, ra'ina ». Ra'ina, c'est comme tu dis en arabe « ra'ali », c'est-à-dire « donne-moi ton attention ». Et puis, ils commençaient à rigoler entre eux. Et puis, il y a un compagnon, Sa'd ibn Mu'adh, qui était médinois et qui connaissait l'hébreu. Il leur disait « attention ». Vous êtes en train de vous moquer du prophète. Si vous redites ce mot-là, hein, vous aurez affaire à moi. Il dit, mais vous aussi vous le dites. Il dit, oui, mais nous on le dit d'une manière normale. Vous, quand vous le dites, vous vous moquez. Quand vous le dites, vous vous moquez de nous. Vous vous moquez du prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne répétez pas ce qu'eux ils disent. Ne dites pas ra'ina comme eux ils le disent. Mais dites, regarde-nous. Quand vous le disiez au prophète, dites, regarde-nous. Cette ayah, dans le Coran, et comme dans toutes les conférences on dit, le Coran, quand tu vois une ayah, regarde ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et ce qui lui ressemble. Regarde ce qu'il y a avant. Juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi il parle? Il parle de Sayyidina Sulaiman, il parle de Salomon. Salomon, les juifs de Médine sont venus poser une question au prophète. C'était quoi pour vous, Salomon? Le prophète, il dit, c'était un prophète. Il dit, non, c'était un sorcier. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond, fait le Coran, il dit, c'était pas un sorcier. Wa ma kafara Sulaiman. Ça vous dit que la sorcellerie, c'est du kufr. C'est de la mécréance. « Ouama kafara Sulaiman, wala kina shayatina kafara. » Ok. Ensuite, il nous décrit hein, ce que font les sorciers. Juste à la fin du récit sur les sorciers, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ne dites pas ra'ina, mais dites « Regarde-nous. » Juste après. Les ulama nous disent « Ça, c'est la contextualisation du Coran. » Allah subhanahu wa ta'ala parle des sorciers. Ensuite, il nous dit « Ne répétez pas les mots qu'utilisent les sorciers. » Les sorciers utilisent des mots. Qu'est-ce qu'ils font les sorciers? Ils travestissent la vérité. Tu penses qu'il est en train d'avaler une corde, mais il n'avale rien du tout en fait. Ils travestissent la vérité. C'est l'illusion. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Le mot clé, c'est illusoire. Tu penses c'est l'illusion en fait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ne faites pas comme eux, ne répétez pas comme eux les mots que eux ils utilisent. Aujourd'hui, qui sont les sorciers d'aujourd'hui? Ce sont les médias, bien sûr. Ils travestissent la vérité. Quand vous regardez les médias, ils vous disent « Ouais, il y a des roquettes qui sont descendues là, des roquettes qui sont descendues là. » Là, il y a des avions, des F-16 qui bombardent des civils et des handicapés. Et là, on vous dit « Yeah, on commence par ça. » Et après, pour justifier que l'aviation a le droit de faire ce qu'elle fait. Donc vous voyez comment les médias, ils travestissent la vérité. Il y a un terme qui est galvaudé aujourd'hui, « le djihad ». Les djihadistes et les djihadistes et les djihadistes. À tel point que nous avons peur aujourd'hui de parler de djihad. Dès que vous voulez parler de djihad, ça vous ravalez votre salive. Pourquoi? On va voir le sens du djihad, comment Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran. Le sens du djihad. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne dites pas ra'ina et dites midurna? Pourquoi? Il dit ne répétez pas les mots que eux utilisent. Pourquoi? Parce que quand eux utilisent les mots pour vous décrire,
c'est pour se moquer de vous ou pour vous dénigrer. Quand on cite les musulmans, les islamistes, les fondamentalistes, il y a toujours un « is » derrière, justement pour vous dénigrer. N'utilisez pas ces termes-là. N'utilisez pas les mêmes termes que eux. Okay? C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est à travers le Coran. Vous voyez ? C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran. Bon, je reviens au sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, il dit Utitu sab'a tiwal makan al-Tawrat, wa utitu al-Manina makan al-Zabur, wa utitu al-Mathari makan al-Injil, wa fuzdiltu bil-Mufassal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné les sept grands sourates du Coran à la place de la Torah. Ok ? Il m'a donné Al-Manin, c'est les sourates qui sont plus ou moins plus de 100 ayats à peu près, à la place des évangiles. Ok ? Al-Mathani, il est dédoublé. Il est dédoublé, Al-Mathani, à la place de Zabur, qui est le livre de l'Epsomme de David. Et j'ai été préféré par Al-Mufassal, le détaillé. Et le détaillé, c'est quoi ? Al-Mathani, il dit, c'est à partir de Surat Qaf jusqu'à la fin du Coran, jusqu'à la fin de Kitab Allah. Ok ? Parce que comme on disait toujours, ça, c'est pas du Coran, hein. Ce que vous voyez là, où ils vous disent « donne-moi le Coran », ça c'est pas du Coran, ça c'est un livre, c'est un mashaf, où est compilée la parole de Dieu. Le Coran, c'est quand tu commences à le lire. D'ailleurs, vous le voyez bien sur le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de kitab, il parle de livre, il dit « ذَلِكَ الْكِتَابِ إِسْمْ إِشَارَ لِلْبَعِيدِ » C'est un pronom pour, démonstratif pour démontrer quelque chose qui est lointain. « ذَلِكَ الْكِتَابِ » Quand il parle du Coran, quand il dit le Coran, il dit « Inna hadha al-Qur'an » Ce Coran que tu es en train de lire. Donc vous voyez, c'est vivant. Le Coran, c'est quand tu le lis. Et quand tu le lis, et que tu comprends ce que tu es en train de lire. Et c'est ça le Coran. Donc le prophète, il nous dit « Allah subhanahu wa ta'ala, ah, il m'a donné les sept grandes sourates. » Alors la septième, il y a une différence chez les savants, mais on ne va pas compliquer les choses. Les grandes sourates, c'est le Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, il y en a qui disent Al-A'raf, il y en a qui disent la septième c'est Surat Yunus. Ok. Les plus de 100 ayats, c'est à la place des évangiles. Ensuite, Al-Mathani, il est dédoublé, c'est à la place de Zabur. Et la préférence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été préféré par ce qu'il y a entre Qaf et Surat Al-Nas. Ok. Dans un autre hadith, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala jama'a al-Qur'an, tout le Coran, il est résumé dans quoi ? Si vous lisez les derniers versets, les derniers ayats, pas versets, la sémantique n'est pas bonne. Les dernières ayats, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ayat, c'est un signe, il les a appelé des preuves, des signes. Les dernières ayats de Surat al-Baqarah, si vous lisez le Fatiha, vous avez le résumé du Coran. Ça veut dire subhanallah. Ouais, on va dire subhanallah. Et le Fatiha, elle est résumée dans quoi ? Elle est résumée dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Bon, la conférence ne suffirait pas pour expliquer Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, mais ulama vous disent Iyyaka na'budu, déjà dans la forme, hein, la forme de la phrase, il dit Iyyaka, c'est-à-dire toi spécifiquement. Et en plus, hein, on n'a pas mis le pronom derrière le verbe, on a mis le verbe avant le pronom avant le verbe. Iyyaka anta ya Allah na'budu. On vous dit que toute votre vie, c'est quoi ? Toute notre vie, c'est quoi ? Ibadatun wasti'ana. Toute notre vie, c'est une adoration et c'est une demande à Allah. Tout ce que vous faites, vous vous levez le matin, vous allez travailler, c'est ibad, vous êtes en train d'adorer Allah, si vous le faites dans le but de nourrir vos enfants. Quand vous éduquez vos enfants, c'est ibad. Quand vous êtes sympathique avec votre voisin, avec votre mari, c'est une ibad, c'est une adoration. Et derrière, qu'est-ce que vous faites ? À chaque fois, on demande à Allah, « Ya Allah, facilite-moi, Ya Allah, donne-moi, Ya Allah, guéris-moi, Ya Allah. » Notre vie, elle tourne autour de ces deux sens, c'est-à-dire l'adoration et la demande à Allah subhanahu wa ta'ala, l'isti'ana min Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ? Alors, il y a un grand savant musulman qui s'appelle Ibn Qayyim al-Juzayr, qui a écrit un livre qu'il a appelé « Madarij al-Salikin », c'est-à-dire « Le sentier des itinérants ». Et il a cité des manazes, ce qu'on appelle des stations. Qu'est-ce que ça veut dire les stations ? Al-manazil kay tasila ila Allah. Manazil, c'est-à-dire tu es dans un chemin spirituel et chaque musulman, il est dans ce chemin spirituel. Autrement dit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait répéter Surat al-Fatiha à chaque prière ? Vous la lisez, on la lit 17 fois minimum par jour.
17 fois on lit surat al-Fatiha. Si on ne comprend pas le sens de surat al-Fatiha, on n'a pas compris notre prière. Et si tu fais ta prière sans surat al-Fatiha, ta prière est nulle. Ta prière est nulle, elle est invalidée. Donc elle n'est pas... Pourquoi ? Le lama, Ibn Qayyim, il vous dit, quand vous dites « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », tu es en train de marcher et de cheminer vers Allah. Et quand tu marches, tu fais un pas, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. Les pas se ressemblent, mais la distance parcourue n'est pas la même. C'est-à-dire, si tu as commencé là, tu as fait un pas, deux pas, trois pas, tu avances. Et donc, à chaque fois que tu fais la prière, à chaque fois que tu dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », tu vas acquérir quoi ? Une nouvelle compréhension de ta relation avec Allah. Une nouvelle compréhension. Et ça veut dire quoi que quand tu as acquis une nouvelle compréhension de ta... Tu es monté en degré. Tu es monté en degré et il donne l'exemple de quelqu'un qui monte un bâtiment, une tour. Quelqu'un qui est au premier étage, il a une vision devant lui. Quelqu'un qui est au cinquième, il a une autre vision. Il voit des choses que celui qui est au premier n'a pas. Mais plus vous montez, plus vous voyez des choses que celui qui est en bas de votre étage, il ne voit pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus vous cheminez vers Allah, plus vous vous élevez, plus vous voyez les choses différemment. C'est ça ce que ça veut dire. Plus vous voyez les choses différemment, mais regardez, quand vous dites « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » à chaque station, vous êtes en train de vous élever et de vous extirper à l'attraction terrestre. C'est ça ce que ça veut dire. L'avion, pour qu'il décolle, il faut qu'il atteigne une vitesse de libération. Et cette vitesse, je crois que nos amis physiciens peuvent nous le dire, c'est des rappels, enfin des vieux souvenirs du lycée, 11,6 km, je crois, à la seconde. Donc c'est une vitesse de libération que l'avion atteint pour se détacher de la Terre. Et cette vitesse de libération, vous ne pouvez l'atteindre que si votre cœur est présent. Notre cœur est présent quand on récite le Coran. Pourquoi ? Parce que le Coran, c'est Kalamullah, c'est ce que te dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, il a des significations immuables. Les significations du Coran sont immuables. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand on veut vous vendre un crédit, on vous dit faïda, ok, l'intérêt. Tu mets ton argent à la banque, on te dit un intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mahriba. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mahriba. Allah subhanahu wa ta'ala, ce que faisait la qawm Lut, le village de Lut, ce qu'il faisait, Allah subhanahu wa ta'ala, al-qariyat allati kantat al-fawahish. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ce sont des turpitudes. Ok ? C'est pas le mariage pour tous, c'est pas... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ? Ils travestissent la vérité. Alors toi, si tu ne veux pas être envahi par ce travestissement des vérités, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un retour aux sources. C'est-à-dire tu dois être lié toujours, toujours, toujours au Coran. Wa an atlu al Coran. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. À l'époque, Mekwaz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran descend sur lui, et les compagnons viennent lui dire, « Ya Rasulallah, est-ce qu'on peut se défendre ?» Non. Non, non, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lisez le Coran, traite le Coran, lisez le Coran. Prends cette quantité de spiritualité, lis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te lis à Allah, et puis tu fais ta prière et tu te lis à Allah, n'aie pas peur. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Tout à l'heure, il parlait de, ils détruisent, ils font. Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous lisez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Pharaon. Inna Pharaon ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an. Pharaon était un dictateur. Il a divisé les gens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On divise le monde musulman. Depuis l'événement de 1924, quand l'Empire ottoman a été disloqué, qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé la Syrie. Vous savez que le Liban, c'est la France qui l'a créé. C'est le maréchal Juin qui a fait une expédition au Liban pour, entre guillemets, protéger les chrétiens du Liban. C'est la France qui l'a créé. Mais tout ça, nous, on ne sait pas. Le Kurdistan. Le Kurdistan était un pays qui avait une entité à part. On l'a partagé entre 5 pays. Entre la Turquie, la Syrie, l'Iran, l'Irak. Je sais plus qui c'est. Entre 4 pays, on parle. Ouais, 4 pays. L'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Voilà. On l'a partagé entre 4 pays. Tout ça, qui c'est qui l'a fait ? C'est les puissances occidentales. C'est les puissances coloniales qui ont fait ça. Donc vous voyez bien. Vous voyez bien quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Pharaon, dans le Coran,
nous avons un nouveau pharaon aujourd'hui. Le pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a atteint tellement un niveau matériel tellement élevé qu'il a dit « Anarbukum la, je suis votre seigneur aujourd'hui. » Ok? Et on vous dit, quand vous allez au musée du Caire, vous voyez des choses extraordinaires. Vous voyez ces bijoux extraordinaires. On vous dit que les Égyptiens, ils faisaient à l'époque des pharaons, faisaient des trépanations, ils ouvraient la boîte crânienne, ils agissaient à l'intérieur. Chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et vous imaginez à quel stade, à quel point ils ont atteint avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah SWT nous dit, l'être humain, quand il se voit riche, qu'est-ce qu'il devient? Il devient dictateur. Hein, il prend le dessus sur les autres. Il se croit fort. Vous voyez, il se croit fort. Et Allah SWT nous rappelle ces vérités. Et quand Allah SWT nous parle de Pharaon, pourquoi il nous parle, il le recite? Parce que les pharaons vont se renouveler sur terre. Et aujourd'hui, les pharaons, ils sont là. Les États-Unis font ce qu'ils veulent. Vous me donnez la liste des gens qui tiennent les comptes chez vous. Je lisais la presse la semaine dernière. Les États-Unis ont demandé à un pays musulman, vous nous donnez la liste des clients qui tiennent des comptes chez vous. Ils vont, ils divisent le pays comme ils veulent. Ils prennent le pétrole comme ils veulent. Inna fir'auna ala fil ardi. Vous voyez? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit autre chose. Quand il nous raconte l'histoire de Moïse, il nous dit que Moussa, il était en face des Sahara, quand il était en face des sorciers. Moïse, il a pris peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'aie pas peur. Jette ta cale et n'aie pas peur. Ce qu'ils ont ramené, quoi? C'est une ruse de sorcier. Et le sorcier, jamais il n'aura la victoire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Les sorciers, ils ont jeté leur canne. Est-ce que nous avons jeté notre canne? Le problème, il est là. C'est que quand vous avez le matatashabba du Coran, quand vous avez le Coran, que vous vivez, c'est-à-dire quand on vit le Coran et qu'on le récite régulièrement, parce que la récitation du Coran nous permet de vider notre cœur, nous permet de purifier notre cœur. Quand on le récite régulièrement, quand on le comprend régulièrement, et quand on a ce lien avec le Coran, on comprend ce qui se passe aujourd'hui. On comprend ce qui se passe. Tout à l'heure, le frère, il a lu un verset, je ne sais pas si vous avez fait attention, à la fin de Sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, «Ladina jahadu fina lanahdiyanna rusuluna». Je reviens à ce verset. Je disais tout à l'heure, Sourate Ayat Al-Fatiha, elle résume le Coran. Et le Fatiha, qu'est-ce qui résume le Fatiha? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ok? Juste après le Fatiha, vous avez quoi? Vous avez Sourate Al-Baqarah. Ok? Dans Sourate Al-Baqarah, vous ne trouverez pas un verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens. Il n'y a pas un verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens. Pourquoi? Parce que dans Sourate Al-Fatiha, tu demandes la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, te répond sur Sourate Al-Baqarah, il te dit, une guidance pour ceux qui la demandent. Donc si tu veux la guidance, tu suis le livre. Ensuite, tu dis on dit c'est qui? Entre guillemets, on dit c'est les juifs. D'accord. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité comme ça. Pourquoi? Parce que je pourrais être je pourrais encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en récitant le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit al-kadhibin, si je suis un menteur et qu'Allah maudit les menteurs, si je suis en train de lire ça, je suis en train de me maudire. Vous voyez? Donc tu peux encourir la colère d'Allah sans être juif ou sans être... Dès que tu fais ce que les nations précédentes ont fait, eh bien tu encours la colère d'Allah. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah, où est-ce que tu vois la description? Sur le Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala va détailler comment ils sont. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de tuer une vache sur le Al-Baqarah? Bon, l'histoire, on la connaît, hein, il y a quelqu'un qui a été assassiné, et celui qui a assassiné va voir Moïse, il lui dit, tu nous dis qui c'est qui a tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande, tu es une vache. Ah, et tu te moques de nous? Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne se moque pas, tu es une vache. Il commence à poser des questions. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la vache, il faut qu'elle soit jaune. Vous savez pourquoi une vache est jaune? Parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Ils ont adoré une vache, Allah subhanahu wa ta'ala, tuez ce que vous avez adoré. Le veau d'or, ben, vous le tuez. Vous tuez, il est. Vous allez tuer votre Dieu. C'est ça ce que ça veut dire sur le Baqarah. Bon, sur le Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de Bani Israël. Où est-ce que vous trouvez les récits des chrétiens? Fais sur Al-Imran.
في سورة العمران الله سبحانه وتعالى va nous parler hein, il va décrire la naissance de Jésus, il va parler de Al-Imran, il va aussi parler hein, de Bani Israël. Inna min ahli al-kitab la man tamanna bi tinṭarid yu'addi ilayk wa man tamanna bi diran la yu'addi ilayk illa ma dumta 'alayhi qa'im. Bon, في آخر سورة العمران, à la fin de سورة العمران, après nous avoir décrit les chrétiens, les juifs, comment tu dois être, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne takalif في سورة البقرة. C'est-à-dire, سورة البقرة, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'on doit faire, quels sont les préceptes de l'islam. Il nous parle de l'allaitement, il nous parle de Sahar Ramadan, il nous parle de l'Hajj, il nous parle de l'Qisas, la loi du Talib, il nous parle de tout ça في سورة البقرة. Bon, à la fin de سورة العمران, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Excusez-moi, il faut que je regarde la traduction. Comment on l'a traduit? Astaghfirullah. Oh les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi, craignez Allah afin que vous réussissiez. Ok. Ya ayyuha alladhina amanu sabiru. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de patienter. Bon, le mot sabr, il n'a pas de traduction en français. Parce que le mot sabr, il a trois significations en français. En français, c'est l'endurance, okay, la patience et la persévérance. Ce sont ces trois mots qui peuvent résumer le mot sabr, pour vous dire l'éloquence de la langue arabe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'acquérir, hein, d'acquérir quelque chose qui n'est pas... Peut-être qu'elle est innée des fois chez nous, mais des fois, il faut... Le prophète nous dit, si tu veux... être savant, il faut acquérir la science, il faut que tu ailles, tu fasses l'effort. Donc un savoir, tu peux l'acquérir aussi. Comment? En faisant l'effort sur toi. Ok, tu patientes, tu endures, en faisant l'effort sur toi, tu vas acquérir ça. Il y en a qui ont un degré, il y en a qui ont un degré moindre, il y en a qui ont un degré plus élevé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit sabiru. Le mot sabiru, il y a le alif, ce qu'on appelle alif mushareka en arabe. Sabiru, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face. Déjà quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sabiru, autrement dit, il y a quelqu'un en face qui va te tenir, hein, qui va te tenir rigueur, qui va être en face de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le mot sabiru, ala nafisu. Nafisu, c'est quoi? Nafisu, le mot nafasa, c'est la compétition. Nafisu, min al nafas, c'est-à-dire la respiration. Nafisu, le mot nafasa, c'est, on se mettait, les marins avant, ils se mettaient sous l'eau, et celui qui retenait le plus son souffle, ok? Nafisu, celui qui a le plus de souffle. Celui Rabi Sabiro, c'est-à-dire tu endures plus que l'autre qui est en face. Et c'est comme ça que tu le combats. Ok? Warabitu. Ok? Arribat, c'est quoi? Arribat, c'est quand on attachait un cheval, quand on attachait un cheval de guerre. Arribat, c'est être présent sur une position donnée, être présent sur une position donnée en attendant l'ennemi. Regardez bien. Être présent sur une position donnée en attendant l'ennemi. Donc quand tu attends l'ennemi, tu peux être debout. Mais tu peux attendre l'ennemi, tu es là, tu te prépares, tu fais attention. Tahdira, c'est comme on dit, tu fais attention. C'est ça ce que ça veut dire. Or, nous vivons dans une société qui nous entoure de fitan. On est entouré. Nous vivons dans une société où le mal, il nous entoure. Là où tu sors, là où tu lèves les yeux, là où tu regardes, tu vois le mal. Allah subhanahu wa ta'ala te dit rabit. Rabit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tiens ta position. Ça veut dire... Quand les gens ils se laissent aller, toi tu ne te laisses pas aller. Allah subhanahu wa ta'ala te dit rabid, lis le Coran, aqim salat, fais ta prière, lis-toi Allah subhanahu wa ta'ala, et tu verras. Rien de ce qu'ils font ne pourra t'atteindre. Rien de ce qu'ils font. Pourquoi? On revient à Pharaon. Pharaon, il a tué tous les enfants des enfants d'Israël. Il a tué tous les enfants, tous les nouveaux-nés, il les a tués. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le dernier mot il sera Allah, pas à toi. Il lui fait naître un enfant qui va grandir chez lui. Donc quand ces gens-là, ils détruisent, des fois ils détruisent, mais contre eux. Lisez le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiquna thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru, ils dépensent leur argent pour obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Alladhina kafaru yasuddu an sabilillah. Sayunfiquna, ils vont la dépenser. Ensuite, ce sera des regrets pour vous. Thumma takunu alayhim hasra. Thumma yughlabun. Ils seront battus. Ok? Alladhina kafaru, et ceux qui ont mécru, ila jahannama yuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala va les guider vers jahannam. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala te dit de tenir tête. Par quoi? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lutte contre eux avec le Coran. Comment tu luttes contre eux? Toute cette sédition, toute cette sorcellerie, tous ces médias, tous ces mensonges qu'on dit sur toi, qu'on dit sur le saint. Comment tu luttes?
Comment tu peux lutter? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَاهِدْهُمْ بِهِ بِهِ بِسَا avec le Coran. Ok? Comment? Tu prends le Coran et tu le jettes à la figure? Non. Tu prends le Coran et tu essayes d'être exemplaire à travers le comportement que te demande Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant le Coran. C'est ça? Ok. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. 10 minutes. D'accord. J'ai fini. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure, je parlais de Darajat al-Manazil. Al-Manazil, les stations, il y en a beaucoup. Il y a Manzilat al-Sidr, la véridicité. Manzilat al-Mujahada. Manzilat al-Tawakkul. Manzilat al-Tawakkul, ça veut dire quoi? Faire confiance à Allah. À un moment donné, tu fais tellement confiance à Allah que ce qui t'arrive, ça ne t'affecte pas. C'est pour ça qu'un musulman, il ne peut pas tomber en dépression. Ce n'est pas possible. Un musulman, il ne va pas voir un psychologue. Un musulman, sa psychologie, elle est dans le Coran. C'est pas possible. Si tu tombes en dépression, il y a un problème. Tu as un problème de liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, min manazil le Coran, qu'on ribat, c'est-à-dire le fait d'être sur une position donnée, que tu défends la position, ta position, la position de l'islam. Et là, tu deviens quoi? Tu deviens un soldat de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait surat l'Ankabout, ce que disait le frère tout à l'heure. Vous voyez comment le Coran, il dit Alladina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Ceux qui combattent dans notre sentier, on va les guider. On va les guider vers quoi? Vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va les guider, il y en a qui disent vers Allah, il y en a qui disent vers le paradis. Alors, regardez. Al-Mujahada. Al-Mujahada takunu ala. Je parle en arabe. Al-Mujahada, c'est-à-dire une lutte. Une lutte à trois niveaux. Alors, le premier niveau, c'est quoi? C'est que quand tu vois le munkar, voyez le munkar, huwa ma ankara unnat. Al-Munkar, c'est le mal. Et le mal, en arabe, on dit munkar nakira unnat, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas. Instinctivement, la nature humaine, elle n'aime pas ça. Quand tu vois le munkar, celui qui voit un mal, il doit le changer. Comment? Biyadi, avec sa main. Sinon, avec sa main. Sinon, avec son cœur. Ça, c'est le degré le plus bas de la foi. Biyadi, ça veut dire quoi? Tu prends la bazooka? Non. Biyadi, ça veut dire que déjà, tu dis que ça, c'est un munkar. Quand tu vois qu'on écrit un article contre les musulmans, prends ta plume, écris. Quand on fait un sondage, réponds toi aussi. Participe. Quand il y a un vote, vas-y, vote. Ok? Il y a des gens qui disent non, le vote haram. Qui a dit ça? Qui a dit? Dar'ul Masalih, celui qui n'a pas fait le sondage, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas qu'on doit repousser le petit mal, le grand mal, par un petit mal, par exemple. C'est les deux, c'est mal. Mais bon, le plus petit, celui qui fait moins, qui est moins nuisible aux musulmans, c'est bon. Donc, si tu vois un mal, tu dois le changer avec ta main, avec ta langue. Ou bien, minimum, tu dis, tu dis, ça c'est mal, c'est pas bien. Ok? Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, tu deviens toi-même, tu fais partie de toi-même, tu feras partie de l'équation. Quand tu dénigres pas le munkar, tu dénigres pas le mal, tu accepteras le mal, et le munkar, c'est lui qui va te changer. Autrement dit, regardez, pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne t'assois pas sur une table où il y a le khamr. T'assois pas. Et j'ai un frère, il me dit, moi quand je vais au restaurant, ils veulent me servir la viande, je dis non, je suis végétarien. Non, je ne suis pas végétarien, je ne mange pas le haram. Dis-le, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Un jour, il y a un frère, enfin dans une entreprise, quelqu'un qui me dit, tu ne bois pas d'alcool parce que c'est péché chez vous ou parce que c'est pas bon pour la santé? J'ai dit non, d'abord parce que c'est péché. Parce que c'est haram, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas boire. C'est-à-dire que je fais les choses parce que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a demandé. Ensuite, bien sûr, si c'est pas bon pour la santé, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la préservation de ta santé. Mais d'abord on fait les choses, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de les faire. Okay? Donc quand tu vois le munkar, tu dois le changer. Sinon, c'est toi qui feras partie de le munkar. Tu feras partie de l'équation. Ça c'est la première chose. La seconde chose, Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit al-mafahim al-Qur'an yathabita. On a dit que al-Qur'an, fait le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de quelque chose, on ne te changera pas d'avis. Vous voyez, tu ne changeras pas, on ne te dira pas que c'est un mariage pour tous. Et puis on est libre. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'homme comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça c'est des turpitudes. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qui s'est passé? Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Qur'an. Si un jour vous faites un voyage, Inch'Allah à Gaza, allez du côté de la mer morte. Allez du côté de la mer morte. Vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit,
ولقد كانوا يمرون على القرية التي أمطرت مطر السوء. Ils passaient par la ville qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jeté une pluie, a fait descendre une pluie de pierres sur eux. Ok ? Et dans cette région où il y avait la Qaum Lut, l'époque de Lot, c'est du soufre. Il n'y a rien qui pousse. Rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, elle restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples vivants qu'on peut voir aujourd'hui. Il le dit, le Coran. Il le dit, le Coran. Sauf qu'on ne réalise pas, on pense que le Coran est descendu pour l'époque. Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu pour nous, pour que nous on comprenne. La deuxième chose, donc on a dit, la première station, fait le mujahada, dans la lutte, c'est quoi? C'est que quand tu vois le munkar, tu le changes. Quand tu vois le mal, tu le changes. Ok? La deuxième chose. Ok, la deuxième chose, c'est que. Mujahadat al-Maqasid. Qu'est-ce que ça veut dire Mujahadat al-Maqasid? C'est-à-dire, quand tu entames un travail, quand tu entames un travail, tu as mis une niya, tu as mis une niya dans ce travail-là, de le faire pour Allah. Okay? Attention que le shaitan, il rentre au milieu du chemin. Et si le shaitan, il rentre au milieu du chemin, il va te dévier de ta niya initiale, de ton intention initiale. Ok? Je vous donne un exemple. Je connais quelqu'un au bled qui a construit une mosquée à lui tout seul. La construit une mosquée à lui tout seul, mashallah. Les gens, il était connu pour être bienfaisant, tout ça. Les gens, ils ont fait une liste électorale, ils ont dit, viens, rentre avec nous. Il n'y a pas de problème. Après, dans la liste électorale, quand on le désignait, on disait quoi? Celui qui a construit la mosquée. Donc vous voyez, il a construit la mosquée. Au départ, la niya était bonne, mais après, le shaitan, il lui a fait détourner la niya, l'intention, pour qu'elle serve ses objectifs terrestres. Vous voyez? Attention, tu penses que maintenant, moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, j'adhère à l'UFCM. Hein, j'ai fait deux ou trois conférences. J'ai distribué deux ou trois tracts. C'est bon. Alhamdulillah. Non. It's never finished, comme ils disent les Américains. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Quand est-ce que ça sera fini? Quand tu arriveras chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que disait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, hein, il prie Allah subhanahu wa ta'ala et continue à combattre les hypocrites et continue à transmettre le message jusqu'au dernier souffle. Donc on a dit la première. C'est quoi la première? Quand on voit le mal, on doit changer. La deuxième, c'est ne pas changer d'intention au milieu de la route. Et la troisième, c'est quoi? Mujahadat al-A'mal. C'est quoi? Mujahadat al-A'mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lutter, très bien, lutter dans ton travail, dans tes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais vous le dire en français pour abréger, Abu Huraira, il dit, est-ce que vous voulez que je vous dise, est-ce que voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les péchés et élève les degrés? Ils dirent, les compagnons ils dirent, oui, ya Rasulallah, bien sûr, on veut bien. Alors il dit, par faire ces ablutions, malgré les désagréments. Alors, quand j'ai cherché la traduction, donc la traduction, ils mettent le froid et autres. Regardez, hein. Multiplier les marches vers les mosquées et attendre, après chaque prière accomplie, la suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Dieu. Fadalikum ribat, fadalikum ribat, fadalikum ribat. Se consacrer à Dieu. Ce qu'on disait tout à l'heure, ribat, fesourat al-imra, le prophète, il nous le dit là. Il dit par faire les ablutions, par tant de désagréments. C'est-à-dire que tu as un désagrément, là, ils disent dans la traduction, et tout le fouqaï vous disent quand il fait froid, tu n'as pas envie de faire les ablutions. On contextualise. On va contextualiser le hadith. Les désagréments, c'est quoi? Je porte un costard, j'ai une cravate, je travaille dans une grande administration, arrive d'homme, faut que j'enlève mon costard, faut que j'enlève mes chaussettes, faut que je fasse les ablutions. Ça, c'est un désagrément. Ben tant pis, je ne fais pas la prière jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Ça, c'est l'homme. La femme, je ne vous dis pas. Quand je mets du bleu, je mets du noir et je mets du rouge, c'est difficile de faire le doigt après. C'est ça, les désagréments. Vous voyez? La contextualisation du hadith, c'est ça. Désagrément, il est là. Désagrément, ce n'est pas seulement le froid. Parce que vous voyez des filles dans la rue, elles supportent le froid, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Elles s'habillent tellement en courbe qu'elles supportent le froid, il n'y a pas de problème. Même partant de froid, elles supportent le froid. Les désagréments, c'est ça. Deuxième chose, Rasoul Hassan dit, Katratul Khouta et le Masajid, multipliez les pas vers la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui vis dans un pays, on n'est pas dans un pays musulman, tu dois connaître les lieux de prière. Pourquoi? Quand la prière, elle t'arrive, tu sais où aller. Et la troisième chose, Wantidharus Salat ibad as-salat. Attendre la prière
après avoir accompli la première. Beaucoup de gens vous disent, attendre la prière, c'est rester à la mosquée et attendre l'autre prière. C'est pas ça. C'est pas ce que veut dire le hadith. Le hadith, c'est pas ce qu'il veut dire. Parce que Omar ibn Khattab, quand il voyait des gens à la mosquée, waqt ad-duha, c'est-à-dire à partir de 8h jusqu'à midi, entre 8h et midi, il les chassait à coups de bâton. Quand il les trouvait à la mosquée après l'asr, il les chassait à coups de bâton. Alors ça veut dire quoi, attendre la prière? Ça veut dire que la prière, elle est dans ta tête. Ça veut dire que quand tu vas dans un endroit, que tu vas pour un travail, tu sais que la prière va t'attraper, la prière de 5h ou de 6h, elle va t'attraper à tel endroit. Tu mets tout en œuvre, ton plan, pour que tu puisses faire la prière là où tu es. C'est ça ce que ça veut dire. Quand je sais que, aujourd'hui, je ne me suis pas levé pour faire salat as-subh, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai trop veillé. Et ben, tidar as-salat ba'da as-salat, tu vas dormir. Tu ne restes pas avec les experts. Tu vas dormir. Et quand tu dors, tu te lèves pour salat as-subh. Mais quand tu ne dors pas, tu restes avec les experts. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله سبحانه وتعالى dit المؤمن les croyants, hein, ils ont أفلح. Bon, le mot فلاح, il a aussi un grand sens en arabe, parce que le mot فلاح vient de فلاح en arabe. Et le فلاح, qu'est-ce qu'il fait? فلاح, il laboure la terre. Il laboure la terre, ensuite il met la graine. Et quand la graine, elle est mise, quand elle pousse la graine, elle donne une centaine d'autres graines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala arja'il al-aya, et je finis par ça, même s'il me reste encore des trucs à dire. Je finis par ça. Arja'il al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala dit Sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun, ça veut dire quoi? Tuflih, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être récompensé des centaines de fois par rapport à ce que tu as fait. Parce que c'est comme la graine que tu as mis, hein, sous terre, et quand elle va pousser, elle va donner une centaine de graines. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, fallah, qu'est-ce qu'il fait? Il laboure la terre. Ça veut dire toi aussi tu vas te labourer. Tu vas te labourer, c'est-à-dire que tu vas lutter, tu vas subir, hein, on va te dénigrer, mais tu vas te labourer. Et quand tu vas te labourer et que tu sais ce que te donne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tout paraîtra facile pour toi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu yaghfir lakum, innahu huwal ghafurur rahim, barakallahu fikum. Merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Et qui, je pense, a fait écho en vous, notamment par rapport à cette société qui est dominée par le marketing, la publicité, où tout va très très vite, où le paraître, c'est ce qui compte le plus, le paraître matériel. Et l'idée de l'UFCM, c'est justement ça, c'est dire stop. C'est la spécificité de cette structure, c'est pas simplement de consommer comme les autres. C'est-à-dire qu'on constate quelque chose qui ne va pas bien, c'est-à-dire qu'on nous prône une société par le biais du paraître, qu'on sera beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux, et au final, par exemple en France, c'est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Donc c'est pas cette société qu'on veut nous promettre, c'est pas celle-là qui va nous permettre justement de s'extraire de ce monde, de se libérer, d'être épanoui, d'être heureux, et à travers votre intervention, ça a fait écho à des réflexions qu'on a eues au sein de l'UFCM, notamment sur la question du cheminement. Et je fais référence à l'intervention de Fatallah, et notamment d'un article qu'il a rédigé, qui parle justement du cheminement en Dieu. Et cette relation, c'est-à-dire que quand on chemine aussi avec Dieu. Et Dieu est quotidiennement avec nous. Et justement, dans cette société qui va très très vite, bah, les cinq prières sont là juste pour nous dire « Stop, arrête-toi deux minutes ». Et réfléchis un peu, et quel est le sens que tu veux donner à ton existence? Et c'est toute cette réflexion qui germe au sein de l'UFCM, et on se réunit parce qu'on a constaté que ça n'allait pas très bien. Et on est là entre nous aussi pour se motiver, se réformer, parce que comme tu l'as souligné, le but aussi c'est de changer. Et changer, parfois on a besoin de l'autre pour être accompagné dans le cheminement, et pour pouvoir se réformer et pas repartir en arrière. C'est pour ça qu'on avait fait un cycle de formation autour des 3 C, à savoir le Coran, le cœur et la création, pour savoir où est-ce qu'on se situait par rapport à ces éléments, et justement de se dire stop, je m'arrête. Et notamment en ce mois de Ramadan, c'est le moment où on doit dire stop, je m'arrête. Je vous propose une petite pause pour visiter les différents stands, et on va revenir ensuite pour écouter avec plaisir. Oui, tout à fait. Une petite remarque, Allah subhanahu wa ta'ala sur le Baqara dit, sur Ben Israël, dit « Waïd faraqna bikum al-bahr ». Nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala, il a scindé la mer en deux, par vous, il n'a pas dit pour vous, par vous, parce que vous étiez à la hauteur, parce que vous étiez croyant, par vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a scindé la mer en deux. Autrement dit, si on est à la hauteur, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut scinder la mer par nous.
Mais il faut qu'on soit à la hauteur.